Tac. Salut à tous. Attendez 2 secondes. Que j'active tout. Bon. Un petit live sur Assassin's Creed Origins. Le récap, je vais le faire quand je vais lancer. Là, je vais même lancer maintenant. En même temps que je lance mes téléphones. Comme ça, c'est fait. Là déjà un. Et lui, je vais mettre les paramètres. Faut que je mette du son aussi. Hop. Tac. Il met le téléphone là. Donc, ah, ça a toujours pas chargé. Heureusement qu'avec la PS5 ça va plus vite. Là, ce PS4 ça aurait été super long en fait, je suis en train de penser. Bon, le petit récap, j'en étais où? On va mettre la map. Je crois que le petit récap, il n'y en avait pas plus que ça parce que je m'amusais à faire les tours. Je crois que c'était ça. Voilà, j'avais fait celle-là. Je me fais quelques tours un peu autour. J'avais été jusqu'en bas, chercher des missions et prendre les tours. Comme ça, je peux me téléporter. J'avais fait pareil sur cette île-là. Si ma mémoire est... Ouais, c'est ça, j'avais fait pareil ici. J'avais fait pareil ici. Ça, c'est quoi ça? Ah, et ici, j'ai pas été. Je pourrais y aller. Ça, c'est l'émission du gamin quotidienne. Ouais, putain, il fera plus tard, on s'en fout. Bah, je pense que je vais commencer à faire des petites missions. Et me rapprochant des derniers que j'ai pas pris. Et d'aller les prendre. T'as, je suis venu jusqu'à là. Et je l'ai pas pris ça. Ok. Bah, on va voir avec l'émission où ça m'emmène. Et je vais faire les tours en même temps. C'est quoi ça, zone interdite? Ok, ouais, on va faire ça. Enquête. On va faire les annexes avant, comme d'hab. Niveau 17, non. On va faire les plus basses. Comme ça, il le dégage. Voilà, celle-là. Donc, elle est où? Là-bas. Ah, bah tiens, dans la zone interdite. Eh bah, c'est nickel, comme ça, je vais faire tout ce qui est dans la zone interdite. Je vais tuer le capitaine, je vais tuer les commandements et je vais piller le trésor les deux. Ok, en même temps que je fais ma mission. Allez, go les asticots. Pas de son dans ce jeu. Putain, faut les faire hurler les jeux, c'est un truc de fou ça. J'entends rien. Ouais. Oh bah maintenant j'ai mis trop fort, bah, tant pis. Bonjour le mec qui est arrivé, au revoir le mec qui est arrivé. Ça me fait rire ça, ça reste 1 minute, ça se bat pas, ça se barre. Oh. J'ai écrit ça. Tous les écrits. Comment vais-je trouver Aya parmi tous ces roues? Je vais baisser un petit peu. Voilà. C'est bien ici. C'est où? C'est quoi ici? C'est quand même bien fait ce jeu. Je dois le dire à chaque live que je lance quoi. Ça va être mon mot favori de ce jeu là quoi. Non, non, on monte. Il me disparaît là. Voilà, j'ai trouvé l'autre. Est-ce que je dois fouiner les capitaines là, non? Attends, c'est quoi ça? C'est où la zone interdite? Là ou là? Ça la zone interdite? Ouah, le monde là-dedans, mec! Il y a plus de monde dans ce petit bâtiment que le gros bâtiment que j'avais fait, quoi. Ah, bah j'ai trouvé les deux, comme ça au moins c'est fait. Normalement, j'ai fait tout le monde là.
Il n'y en a pas un caché, hein. On se met en plein milieu. Si, il y en avait un caché, effectivement. Oh là 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 là. Là, je pense que je vais le refaire 63 fois à peu près. À peu près, hein. Bah, c'est un méchant, ça? Non. Toi, t'es qui, toi? Toi, t'es juste des gens normaux, toi. Là, c'est pareil, c'est des gens normaux. Non, mais j'ai scanné tout le monde, hein. Je vais aller pleurer maintenant. Allez, go. Là-bas. Je t'ai déjà perdu, moi. J'ai jamais demandé de sauter si haut. Jamais. Je voulais sauter sous le bord, là. Bon. Comment je vais me démerder? Ça, c'est une autre histoire. Déjà, à l'entrée, il y a trois mecs. Donc déjà, ça, c'est très compliqué. Il y a des mecs sur le côté. Des mecs en bas. Non, 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 mais les gars, non, 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 mais je rentre pas, je rentre pas, je rentre pas. Je vous promets, je rentre pas, je rentre pas, je rentre pas, je rentre pas. Calmez-vous, calmez-vous quand même. C'est bon, un moment ou l'autre. Foutez-moi la paix, là. Enfin, je passe par l'eau, en fait. Je comprends bien. Pourquoi ils veulent me péter? Pourquoi? Pourquoi? Ça y est, c'est la merde. Je sais pas ce que je fais là. Ok, c'était pas du tout ce que je voulais faire. J'ai vraiment pas fait souhait. Ah, il me l'a foutu, hein. J'étais pas sûr, hein. Voilà. On recommence. Ça fait beaucoup là, hein. Ah, je vais peut-être me casser à un moment ou l'autre quand même, moi. Parce que là. Ouais, ça se passe mal. Normal, mec. J'ai enculé les deux en même temps, ça c'est plutôt pas mal. Et putain, mais ils sont combien que ces chevaux de merde? Ça s'arrête jamais! Allez, viens, on se casse. Parce que là, on se sortirait jamais autrement. Si jamais on me voit ici. Voilà, j'ai déjà fait un bon nettoyage, je trouve. J'ai déjà nettoyé l'entrée. Il en reste déjà beaucoup moins. Comment on se baisse? Attends, je sais pas comment on se baisse, je sais plus. Ok. Comment je peux le dérouiller, lui? Pas gagné, hein.
Il a pas l'air de vouloir se laisser faire lui. Que je suis passé par là. Je vais me poser. Merde. Allez, oh. Quoi? Qui m'a vu? Rien ne dit que tout danger soit écarté. Tu vas vraiment rester là? Vraiment? C'est une blague là. C'est bon. Allez, on recommence. On reprend les mêmes. Wow. Je peux pas. Il veut pas. Non, personne ne me voit. Arrêtez de lui casser les couilles. Ah putain, ça va être tendu cette histoire. Te voilà. Dans la merde. Vraiment que je nique tout là. Ça j'ai pris cher. Ok. Il y a plein de morts et l'autre il se demande pas pourquoi en bas. Normal. Voilà. Après j'avais tout tué. Là j'avais tout tué. On va recommencer. À la... Bien. Là j'avais vraiment tout flingué. J'allais flinguer lui avant. Avant qu'il me retombe sous le coin de la gueule lui. Je peux pas récupérer ma flèche. C'est un peu arnaque ça. Ah bah attends. Ok. Je l'avais vraiment pas vu.
C'est énorme ça. J'ai eu tout le monde là. Mais trop classe ça. Ah, j'arrive, t'inquiète. Putain, j'ai cru que t'étais une bête en fait, toi. Je te trouve bien, je m'en fous. Un homme qui ne peut plus marcher. Ah merde! Rire, c'est le plus beau jour. Il me manque un trésor à trouver. Vaut sûrement plus que ça. Attends, mec. Si je ne pouvais je vais te poser là. Tu aurais raison. Mais c'est là que tu interviens, mon ami. Je vais te poser juste là 2 minutes. Je finis de fouiller et j'arrive, ok? Faut juste que je trouve le deuxième trésor. Autrement, ça servait à rien. Putain, on peut dévaliser le bordel. C'est bien ça. Toi, j'en oublie un. Vraiment. Ah, c'est les flèches. Trop con. Ok, c'est bon, je me barre avec le mec. Alors il est où le gaillard? Bon, il me reste des petites merdes à récupérer, mais... Ah, c'est des flèches, c'est même pas de la merde en plus. Allez, viens, je te porte, toi. Je dois t'emmener où, toi? Je vais te sortir de la zone interdite? Je dois t'emmener où, mon copain? Je comprends pas. Je comprends pas où je dois t'emmener. Attends. Voilà. Que puis-je faire? Trouvez les crétins qui l'ont volé. Rapportez cette peau et lavez mon honneur. Qui l'a volé, cette peau de lion? J'ai quitté des yeux cette peau de lion un instant et un voleur s'en est emparé et a filé. Je l'ai perdu dans la foule. C'est arrivé dans le quartier égyptien. Naturellement, les gardes m'ont accusé. C'est dur d'être égyptien, Alexandrie. Je vais aller les trouver. Ah bah il est... ah bah il arrive à se lever et marcher là. Ah bah. Il était pas si... il avait pas autant de bobos que ça. Ensuite, j'irai voir le prêtre. Allez, va laver mon odeur. Ah ouais. Oui, ces maisons nous approchent. Partez. Allez. Merde, c'est ça que je voulais faire. Ok, elle est là-bas.
Ah ouais, mais il est pas du tout où je pensais en fait, je crois que c'était en haut là. Pas du tout, du tout, c'est en bas en fait. Ok, faut que je fasse vraiment tout le tour en fait. Et là, c'est quoi, c'est des gens normaux ça? Oh putain! Ouh là 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 là! Je comprends un petit peu mieux le bordel là. Bon, ok. Hein. Parti. Hein. Donc faut que je fasse le tour là-bas. Après je peux passer par le dessus. Voilà. On va se baisser. Comment je vais gérer ce bordel? Vraiment. Celui-là, ils sont nombreux, hein. Pas difficile de le voler. Il passe sa vie à tanner. C'est toujours mieux que pêcher. J'ai encore l'odeur des crocodiles dans le nez. De la merde, voilà. Comment faire de la merde? Non, mais appelle-moi. Oh, je l'ai découpé lui. Ouais, je l'avais pas vu. D'une bête bleue, ouais. Rien à voler là-dedans, là. Tu vas me dire qu'on est. Merci. Aussi, effectivement. Aussi. Voilà. Donc maintenant faut que j'aille où? Tout là-haut? Qu'est-ce qu'ils ont eux? Pourquoi ils hurlent? Putain, ils m'ont fait peur, c'était con. Hors de mon chemin! Hein?
paye les montres 5 par 5 limite. Attends. Ah, trop tard. C'est eux, comptez quand ils montent. Ah merde, je vais pas qu'il y ait de l'eau. Ouais, il le monte 5 par 5, on va dire. Cet homme est un voleur. Qui? C'est moi la victime ici. On m'a volé ma peau. Si tu veux la récupérer, tu paieras pour ses souffrances. Et tu te rachèteras à genoux devant Sarapis. C'est ça ta réponse, prêtre? L'extorsion? Bien. Je crains que le chemin soit long pour Sarapis et moi. Que ton voyage soit béni. Qu'est-ce qu'il y a là, lui? Redonne-moi des autres missions, toi. Je suis prêt à servir Sarapis, s'il le faut. C'est possible. Des gardes ont pris de la nourriture, prétendument au nom de Sarapis. Ils prélèvent un impôt, mais le détournent entièrement à leur profit. Ils l'apportent à leur arsenal et le partagent avec leur phylactère. Le peuple est affamé, et j'ai peur que ça ne s'aggrave. Ne t'inquiète pas, prêtre. Je vais m'occuper de ces vivres. J'attendrai parmi la population sur les quais. Il y a un papyrus caché à proximité. C'est quoi ça? Bah, je sais c'est quoi un papyrus, je suis pas débile, mais... Je veux dire, bah j'espère que c'est ça quoi. Où je pourrais trouver ce bout de papier là? Où je pourrais trouver le papyrus? Il me dit la proximité, donc ça devrait être à côté là. Promis, il m'aurait marqué dans les alentours. Attendez, je vais prendre mon médicament. Donc j'y suis. Avant que ce soit plus l'heure. L'heure qui n'est plus l'heure. Une tête brèche, une tête bêche, c'est quoi ça? Ah, une massue lourde, putain, c'est marqué en dessous en plus. Ok, une lame lourde. Ouais, je vois pas qu'il y a un truc qui est pas ouf non plus, moi. Certes, c'est joli. Je vais la garder quand même pour l'instant. Ouais, après c'est... Là c'est du petit niveau, donc c'est pas ouf, c'est normal. Ce qu'il faut se dire. Ouais, bah allez, c'est pour ça. Tac. Hop. Je coupe à l'œil, je vais relancer. Comment vous allez attendre trop longtemps sur mon live?